On ouvre la page des sports de ce journal avec une réception en l'honneur des filles de l'AS Sainte-Maure 3 handball hier soir au siège du Grand 3. Les élus de l'agglomération tenaient à leur manière à féliciter les Morasso-Troyennes. Les handballeuses viennent de décrocher la montée en National 1, le fruit de plusieurs années de travail. Diane Marage est l'entraîneur de l'AS Sainte-Maure 3 handball. Elle revient sur cette saison qui s'est donc conclue en beauté. Bah, disons que je savais au départ que c'était faisable avec le groupe qu'il y avait, puisque c'est un groupe qui travaille dans la continuité depuis plusieurs saisons. Et l'année dernière, ils avaient rencontré des difficultés parce que la poule était beaucoup plus forte, les équipes étaient beaucoup plus fortes. Donc cette année, on avait fixé un objectif moyen qui était de se maintenir, tout en sachant qu'on avait dû arriver le fait que c'était faisable de monter. Je suis assez fière du travail, c'est un aboutissement en fait, par rapport à... aux filles qui ont joué les saisons précédentes, moi aussi un petit peu, et puis le travail qui a été fait par les entraîneurs, par les bénévoles, par les joueuses aussi. C'est surtout une satisfaction parce que c'est un aboutissement. Voilà. La vraie satisfaction sportive serait de se maintenir largement l'an prochain.